lequel notamment le film Elle, duquel on a beaucoup parlé ces derniers temps dans le contexte du Festival de Cannes, dont il a écrit le roman qui porte un autre titre, qui s'appelle O, c'est ça ? O, en version roman, si j'ose dire. Enfin, le roman s'appelle O. Et donc, Philippe Jean n'est pas un inconnu dans la région, puisqu'il a habité un certain temps à Lausanne, il me disait, du côté de Chailly, je crois, et je ne sais même plus combien de temps, ni il y a combien de temps, mais donc il a des amis dans la région, et je vous souhaite à tous un excellent après-midi en sa compagnie. Vous aurez évidemment la possibilité après d'acquérir les livres de Philippe qui seront là-bas derrière, au bar de l'auditorium, à la place des bouteilles, mais bon, c'est une autre forme aussi de plaisir que la lecture. Et donc, je vous rappelle aussi que nous avons donc une certaine activité un peu plus intense peut-être que d'habitude en ce moment, puisque donc le 2 juin, nous vous attendons à nouveau ici pour un spectacle plutôt théâtral cette fois-ci, puisqu'il s'agit des écrits de l'art brut à voix haute, présentés par Lucienne Perry, dont c'est un spectacle que nous produisons ici. Qui est très intéressant. L'année dernière, on en avait produit un autre aussi sur la base des écrits des artistes de l'art brut qui avait eu beaucoup de succès. Et ensuite, le 12 juin, donc dans pas très longtemps non plus, nous allons accueillir Samar Yazbek. Donc c'est une rencontre qui se passera en arabe avec traduction simultanée. Donc je vous souhaite un bon moment en leur compagnie. Merci beaucoup, Vera Michalski. Philippe Jean, Dispersez-vous, ralliez-vous, c'est le titre, on vient de le dire, de votre 15e roman publié chez Gallimard. Myriam, votre narratrice, nous dit que c'est extrait d'un poème de Rimbaud, elle nous le dit pratiquement à la dernière page du livre. Ce poème, c'est Les Corbeaux, mais il semblerait que c'est moins le poème qui vous est couru dans la tête pendant l'écriture de ce livre que la version musicale qu'en a fait Léo Ferré. Il y avait cette espèce de petite musique de Léo Ferré en permanence pendant l'écriture du livre ? Ben oui et non, mais j'ai toujours pensé que j'étais un enfant de Léo Ferré. C'est-à-dire que je me souviens de... Je ne sais pas, je devais avoir depuis 13-14 ans. Je me revois couché dans le salon, tout seul. Mes parents travaillaient à l'époque, donc on avait des après-midi très, très studieux. Donc il fallait se coucher par terre et j'écoutais Léo Ferré, et c'est un drôle de truc parce que mon père, qui lisait pas vraiment, qui est... la culture c'était pas quelque chose qu'il faisait, qu'il se levait en pleine nuit pour aller prendre un livre, mais il m'emmenait voir les concerts de Léo Ferré quand j'étais vraiment très jeune, et j'ai jamais compris tellement pourquoi, mais je lui en suis éternellement reconnaissant. Alors Les Corbeaux par Léo... Non, parce que c'est vrai que Léo Ferré c'est la poésie, c'est pas... c'est Léo Ferré, ouais. C'est un chanteur, c'est simplement... quelqu'un, tous les poètes qui m'intéressaient, qu'on ne m'enseignait pas à l'école, ça venait de Léo Ferré. Et cette idée qu'à un moment, la musique et la voix humaine étaient aussi importantes, il n'y avait pas que le texte, il y avait aussi autre chose. Donc c'est, oui, ça fait vraiment partie de tout ce qui m'a un peu fondé. Mais en plus de ça, Les Corbeaux, c'est un tango. Est-ce que le fait que ce soit un tango, par exemple, imprime un rythme particulier ? Non, parce que c'est bizarrement, c'est pas vraiment la chanson qui me revenait, c'était pas la mélodie, c'était juste ce truc dispersez-vous, ralliez-vous, parce que j'aimais bien ce mouvement, je trouvais que c'était un très beau mouvement, ces oiseaux qui s'envolent, et comme je venais souvent à Lausanne ou à Genève et je faisais du train, dans les trains je voyais dans les champs ces corbeaux qui s'envolaient, qui partaient, qui revenaient comme ça. Je trouvais que c'était des mouvements qui m'intéressaient. Et en même temps, ça avait une résonance sur ce que j'étais en train de faire, à savoir que peut-être dans la vie, c'est intéressant à un moment de quitter le nid et de revenir après, pour mieux revenir peut-être. Vous dites volontiers que vous ne savez jamais exactement comment commence une histoire, comment commence un livre, comment ça naît finalement sous votre plume. Mais si on regarde vos 4 derniers romans, il y a eu O, qui est devenu Elle au cinéma, Dispersez-vous, ralliez-vous aujourd'hui. Tous les deux sont racontés à la première personne, mais à la première personne du féminin. Ce qui n'était jamais arrivé avant. Vous avez une explication ? Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une longue réflexion avant de me lancer. Non, je l'ai bien dit, hein, ça vient comme ça. Je ne sais jamais, quand je démarre un livre, je ne sais jamais. La seule chose que je sais, c'est que j'ai envie d'écrire quelque chose. C'est que j'ai envie
j'ai envie d'écrire une phrase qui, à un moment, correspond à l'idée que j'ai du monde dans lequel je vis. Alors, la phrase peut être longue, ça peut être une réflexion, ça peut être plein de choses, mais je ne sais jamais pourquoi. Et je sais encore moins, à l'avance, si c'est un homme ou une femme qui va parler. Alors là, en l'occurrence, nos voisins les plus proches étaient des vieux. C'est la première phrase du roman. Bah, ça ne me dit rien encore. Je ne sais pas encore si c'est un garçon, une fille. Je sais simplement que c'est un adolescent. Enfin, quelqu'un qui n'est pas un vieux encore. Et puis, ça vient tout doucement et il n'y a pas d'intention. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire parler une femme. D'ailleurs, je ne sais pas comment faire parler une femme. C'est simplement un homme. Je crois que si j'essayais de parler comme une femme ou d'écrire comme une femme, je n'y arriverais pas. Ça paraîtrait... C'est impossible. Mais je ne sais pas. Je crois qu'en ce moment, les regards des femmes, ou ce que j'imaginais être le regard des femmes sur le monde aujourd'hui, peut-être que j'ai besoin de cette distance pour en parler ou pour peut-être changer le regard. Je ne sais pas, ça vient... Je ne peux pas expliquer. C'est une espèce de rapport au monde, de sensibilité un peu particulière, avec des problèmes qui ne sont pas les miens. Donc ça, vous dites avec juste raison que ce n'est pas le premier livre que j'écris. Donc peut-être à un moment, cette envie de changer de voix ou de changer de regard, ça m'intéresse parce que c'est des choses que je n'ai pas faites. C'est quand même une femme d'un certain âge, c'est une femme mûre. Le roman dure un mois ou deux. Ouais. Là, on est sur plusieurs années. Ouais. Parce que j'ai jamais fait ça encore. Donc, Alors, qu'est-ce que ça change, par exemple, le fait que sur O, on soit sur une courte période, sur Dispersez-vous, ralliez-vous, on est sur une longue période. Est-ce que ça change quelque chose en termes de style, en termes de phrases? Est-ce que c'est un autre vocabulaire? Quand on est sur une longue période, le vocabulaire évolue pendant cette période, par exemple. Bah, là, le problème, c'était qu'évidemment, il ne fallait pas que cette adolescente ait la même... le même rapport au monde, la même manière de s'exprimer, d'autant qu'au départ, c'est une jeune femme qui parle pas beaucoup, qui est élevée toute seule avec son père et tout ça, donc c'est tout juste si elle maîtrise la parole. Donc l'idée, c'était comment elle va en même temps s'approprier ce mode d'expression et de relation au monde, comment je m'approprie la parole. Donc il faut évidemment qu'il y ait un moment, mais ça, c'est de la cuisine d'écrivain, c'est comment on fait pour rendre ça plus prégnant, plus évident. J'aimais bien cette idée des... Je crois que j'essaye de réfléchir en même temps. Je ne crois pas que j'ai déjà écrit un roman qui se passe sur une période aussi longue. Ça, je crois que ça vient des séries, par exemple. J'aime bien cette idée que d'un seul coup, vous n'allez pas quitter un personnage simplement parce qu'à un moment, vous lui faites vivre une situation particulière et que par rapport à ça, d'un seul coup, on va voir... est-ce que ça peut être intéressant ou pas? Est-ce qu'il y a une réflexion particulière ou pas? Là, c'est plein de réflexions qui, en fait, on n'a pas les mêmes réflexions et le même rapport au monde quand on a 16 ans, quand on a 35 ans, je pense qu'il y a une vingtaine d'années à peu près. Le regard, il évolue, il change, et c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'une série, vous en avez écrite une, à la manière des séries télévisées, c'est Doggy Bag, en 6 volumes, et pourtant, on reste sur une temporalité assez courte dans Doggy Bag. Moi, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais essayer de faire. Quand j'écris une série, je ne me dis pas, ah, chouette, j'ai d'un seul coup 6 volumes devant moi. L'histoire fait que... L'histoire, mais ça, je rabâche un peu, mais ce n'est pas la chose qui m'intéresse au premier chef. Je n'ai pas d'idée particulière à défendre. Je n'ai pas d'histoire à raconter. Je n'ai pas un homme, une femme, je ne sais pas. Simplement, j'essaie de faire évoluer la langue. J'essaie de voir aujourd'hui à quoi ça sert encore d'écrire aujourd'hui. Parce que il se trouve que je vous parle aujourd'hui à un moment de ma vie où j'ai quand même passé un bon moment déjà, mais j'avais la même réflexion quand j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que je me disais, est-ce que ça va remplir ma vie? Est-ce que je vais simplement raconter une histoire ou un livre? Ou est-ce que d'un seul coup, je veux pouvoir travailler sur la longueur? Et aujourd'hui, ça fait peut-être, je ne sais pas, je ne m'en rends pas bien compte, ça fait au moins 35 ans que j'écris. C'est comme une histoire que j'écris dans mes livres. C'est-à-dire que vous avez un écrivain qui a commencé un moment de sa vie à une certaine époque et 30 ans ou 35 ans après, qu'est-ce qu'il a encore à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Les histoires m'intéressent en moyennement. La seule chose sur laquelle je peux éventuellement travailler aujourd'hui, bah, c'est sur la langue. De voir, j'adore ça. Plus ça va, plus j'aime écrire en français en plus. Parce que je trouve que c'est pas...
c'est même pas que c'est pas abouti, une langue elle peut jamais être aboutie, une langue qui est soit c'est une langue morte, il n'y a plus rien à y faire, et c'est ce qu'ont pensé toute une génération d'écrivains avant moi, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on la connaissait, la belle langue. La belle langue du 19e, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Alors, soit vous passez votre temps à essayer d'écrire aussi bien que Proust, et là vous allez avoir du mal, soit vous essayez de faire ce qu'il faisait à son époque, c'est-à-dire qu'il avait un regard sur le monde qui traduisait par une certaine mélodie, une certaine longueur dans la phrase, un certain choix des mots. Ben, j'essaie de faire pareil autrement, en m'interrogeant sur la typographie, sur la ponctuation, sur tout ce qui est... Je ne crois pas qu'on soit à une époque où il y a une vraie révolution, comme au moment de Céline, par exemple, qui arrive et qui fout tout en l'air. Non, je crois qu'on est dans une période de réglage. On est en train de régler les choses. Et j'essaye de voir qu'est-ce qui me gêne aujourd'hui dans la littérature qui était pratiquée avant moi. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui fait que cette espèce d'incroyable émotion que j'avais quand j'avais 20 ans et que je lisais des gens comme Carver, Hemingway, tous ces gens-là, est-ce que je suis capable au moins d'essayer de rendre les émotions qui me donnaient le plaisir d'être plutôt quelqu'un qui trouvait les grands moments de joie et de plaisir dans la lecture, par exemple. Comment aujourd'hui, à un moment où on se rend compte que plus ça va, mais ça c'est encore une espèce d'image qui n'est pas vraiment juste, mais on a l'impression que les jeunes lisent plus, beaucoup moins. Y a des raisons. Et ces raisons, c'est que les écrivains prennent du retard par rapport à ce qui se fait. Si aujourd'hui écrire, c'est pas pour être au plus près de ce monde, pour être au plus près des émotions qui vous viennent de ce monde, ça sert à rien d'écrire. C'est faire un vieux machin, c'est comme si je faisais du macramé, quoi. Je veux dire, on sait toujours les mêmes points. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a un truc à faire. Et comme c'est en même temps un outil qu'on est en train de perdre un peu, c'est pour ça que les gens... c'est s'il n'y a plus la parole entre deux personnes, le point se ferme tout de suite. Donc il faut encore trouver le moyen de... j'ai envie que les gens pénètrent dans ces mondes que j'ai pénétrés quand j'avais 20 ans et qui me subjuguaient. Alors ce qui est intéressant avec votre personnage dans Dispersez-vous, ralliez-vous, Myriam, votre narratrice, c'est que quand on fait sa connaissance, sa mère a quitté le foyer conjugal, son frère s'est fait virer par son père pour des raisons qu'on laissera les lecteurs découvrir. Mais j'ai l'impression que c'est une espèce de matière brute, ce personnage. Elle n'a pas de code, elle n'a pas de référence, on ne lui apprend pas la vie. Et pour l'écrivain que vous êtes, c'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça. Je rigole parce que c'est... elle est toute seule. Oui, hein, non, après, je rigole parce que évidemment, après, c'est, évidemment que c'est génial, mais c'est moi qui décide au début de trouver un personnage. C'est... J'ai jamais... Mais qui décide à un moment? C'est vous ou c'est le personnage? Est-ce que le personnage décide à certains moments? C'est pas qui décide, mais il me parle. D'accord. Il me dit des choses. Okay. L'histoire me dit des choses. J'essaie toujours de me relire ou de reprendre mon travail en essayant de... d'avoir le recul nécessaire pour voir s'il n'y a pas une histoire sous l'histoire. Et je sais qu'à chaque fois, il y a tout le temps des histoires sous les histoires. Mais évidemment que j'essaye de me donner aussi les moyens, éventuellement, de raconter une vie. Si c'est pour ça que j'évacue a priori les personnages qui ont trop de problèmes immédiats. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est au dernier stade d'une maladie incurable... Si vous avez quelqu'un qui se demande comment il va dormir, est-ce que ça va être dans la rue ou est-ce qu'il a un toit, si vous le mettez dans une situation où il doit prendre des dispositions par rapport au quotidien immédiat et urgent, vous ne pouvez pas d'un seul coup lui faire qu'il se pose des questions existentielles. Là, par exemple, ce personnage, ça démarre un peu difficilement pour elle, pour cette jeune fille. Mais il se trouve que d'un seul coup, je vais la mettre dans une situation où plutôt que après avoir été plus ou moins abandonnée, ou au moins moralement, pour avoir épousé un type qu'elle connaît à peine, parce qu'ils ont eu un rapport comme ça, de la mettre d'un seul coup dans un cadre où c'est plutôt le confort. Donc on évacue ce problème-là. Elle est jeune, elle est plutôt en bonne santé, donc on évacue ce problème-là. Et quand on est dans un cadre qui n'est pas agressif, qui est plutôt, même s'il n'est pas d'une beauté incroyable, il est quand même... Tout le confort est là. Quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on se demande? À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je comprends? Donc il faut les mettre, les personnages, dans des situations où ils peuvent avoir une espèce de liberté. Et là, moi,
l'ouvrier qui est en train de tailler ce truc-là, il a au moins un petit peu de matière. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que vous le disiez tout à l'heure, hein, adolescente, elle parle très peu, son père lui parle peu, sa mère lui parle plus, son frère non plus. Donc elle a un rapport à la langue qui vous est si cher, qui est extrêmement ténue. Et on va découvrir, parce qu'à un moment, sans raconter toute l'histoire, elle va devoir remplacer Yann, qui est producteur de cinéma, elle va lire des scénarios, donc elle se sera appropriée cette langue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait le chemin toute seule. Oui, parce qu'au départ, je ne sais pas ce que peut penser ce personnage qui est sans famille, sans rapport particulier au monde, elle ne connaît pas le monde. Donc c'est moi qui la mets dans cette situation parce que j'ai besoin de voir comment elle va éventuellement réagir, comment elle va s'en sortir ou pas, j'en sais rien. Mais je ne veux pas la mettre tout de suite dans une situation comme O, par exemple. O, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que ça démarre sur un viol, et là, qu'est-ce qu'on fait ? Et justement, c'est même dans une situation qui paraît qui va tout étouffer. C'est-à-dire, est-ce que après un viol, qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, on connaît les chemins que ça va prendre, c'est aller au poste de police, aller faire ci, aller faire ça. On évacue tout ça parce que je trouve que les solutions qui se proposent à chacun de nous sont pas souvent les meilleures. Et donc il faut avoir cette espèce de liberté et quelque part d'intelligence un peu de se dire qu'est-ce que j'en pense vraiment, en évacuant tout ce que la société vous propose comme code, comme direction à prendre. Et on a l'impression qu'on ne sait plus réagir autrement que en voilà, telle chose, il y a telle solution, et il faut absolument, avec un peu de chance, il y a deux solutions, mais c'est souvent une autre qui est intéressante. Donc c'est comment aujourd'hui, par rapport à l'amitié, par rapport à la mort, par rapport à l'amour, par rapport à toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a une manière d'avoir une espèce d'attitude vierge par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On y reviendra par rapport à l'amour, mais si on veut que les gens comprennent, il va falloir que je raconte deux, trois autres choses entre deux. Je disais donc que je parlais d'Yann. Alors Yann, c'est le nouveau voisin de Myriam quand elle est adolescente. Il est plus âgé qu'elle, il est producteur de cinéma. Il va devenir son amant, puis son mari, il va lui faire un enfant, une petite fille qui s'appelle Caroline. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme Myriam n'a aucun repère et aucun code, elle ne sait pas ce que c'est un amant, elle ne sait pas ce que c'est l'amour, elle ne sait pas ce que c'est le mariage, elle ne sait pas ce que c'est un couple. Non, mais il faut qu'elle donne des réponses. En plus. Donc il va falloir qu'elle essaie de comprendre ce que c'est que d'avoir un enfant. Après, si on lui dit, mais c'est tellement merveilleux, c'est génial, l'accouchement, c'est un grand moment de bonheur et tout, si elle est un petit peu franche avec elle-même, c'est pas... que la réponse c'est avoir un enfant c'est horrible, c'est que pour elle ça se passe à un moment où c'est pas drôle, et elle dit je comprends pas comment je peux ce bébé que je prends, dès que je m'approche il hurle, j'ai pas trop envie de passer mon temps à essayer de lui faire des risettes et tout ça, donc je prends une nurse et je dis occupez-vous de cet enfant, c'est, de temps en temps je veux bien, mais si je peux pas jouer le jeu tout le temps. Quand est-ce que je sors du jeu ? Quand est-ce que je fais autre chose ? Quand est-ce que je vais vers ce qui me paraît le plus naturel, même pas le plus juste ? Elle ne sait pas ce que c'est qui est juste ou injuste. Mais elle fait pareil avec la drogue. Je veux dire, elle ne sait pas ce que c'est. Il y a quelqu'un qui prend un truc à côté d'elle. Elle essaye et 6 mois après, elle se trouve en cure de désintoxication parce qu'elle ne savait pas que... Il n'y a pas la notion du bien et du mal. Non, mais qu'est-ce que c'est avoir la notion du bien et du mal si vous ne faites pas vous-même l'expérience ? C'est ce qu'on vous raconte. Ça c'est bien, ça c'est mal. Elle ne sait même pas qu'il faut qu'elle donne une des réponses. Elle se trouve dans des situations, voilà, son père ne lui parlait pas beaucoup, sa mère était absente quand quand elle a 3 ou 4 ans. Son frère est viré par le père pour une sombre histoire, donc elle se dit la vie n'est pas drôle, mon père ne me parle pas beaucoup, mais le jour où je vais retrouver ma mère, le jour où je vais avoir un rapport avec mon frère et tout ça, c'est le coup, le ciel va s'éclaircir, ma famille, je vais avoir une famille, elle a une vague idée, ça va être bien d'avoir une famille. Et puis il se trouve que c'est encore pire que ce qu'elle croyait, parce qu'avec la mère ça va pas, avec le fils ça va pas, mais ça va pas non plus trop avec son mari, parce qu'elle comprend pas ce qu'il lui fait. Elle se doute bien qu'il y a des choses qui se font entre un homme et une femme, mais elle sait pas trop s'il y a des niveaux, s'il y a des degrés, est-ce qu'il y a une manière de faire l'amour normal et une manière anormale, elle sait pas. Et puis elle se dit même, en fait il se contente plus ou moins d'avoir un espèce de rapport, il la prend comme une petite poupée, c'est un peu
vaguement fétichiste, je sais pas, on sait pas trop ce qu'il fait. Il n'est pas toujours très net, lui. Hein. Elle m'a dit, bah, si c'est ça le mariage, c'est pas terriblement marrant, mais c'est pas non plus la mort, c'est pas horrible. Donc elle essaye de comprendre ce qui lui arrive. C'est pour ça qu'à un moment, elle va s'apercevoir qu'elle aime cet homme-là, parce qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle croyait, d'après ce qu'elle voit, d'après ce qu'elle entend, c'est qu'il faut être amoureux. Alors ça, elle a sauté le truc, elle n'a jamais été amoureuse de ce type. Mais vous allez presque trop vite. Parce que effectivement, elle se pose la question au moment où sa fille Caroline est amoureuse. Elle dit, je comprends pas. Et pour elle, ça veut rien dire. Bah non, donc forcément, elle se pose la question pour elle-même. Bah, elle a l'impression que c'est intéressant quand même quand elle voit sa fille, elle dit, mais qui respire plus vite, qui a du rose aux joues quand elle pense à. Elle dit, j'ai jamais été amoureuse, c'est pas normal. Et puis après, elle comprend que oui, on peut, et que peut-être que l'amour, c'est plus important qu'être amoureux. Mais il faut qu'elle l'apprenne. Si personne lui dit, comment voulez-vous c'est un enfant sauvage, un petit peu. Mais j'ai presque envie de dire que ce roman est un roman de la non-transmission. Ça va se loger même jusque dans sans tout raconter, hein, dans cette affaire d'héritage dont elle va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de transmission. Parce qu'elle ne veut pas qu'on lui abîme les seules choses auxquelles elle tient, c'est-à-dire que cette maison où elle a vécu toute seule avec son père, au moment où le frère et la mère réapparaissent et veulent simplement la vendre, elle dit, mais vous ne pouvez pas vendre ça, c'est moi, c'est ma vie, c'est ce que j'ai connu, vous ne pouvez pas le vendre. Donc je mets le feu. Alors, donc c'est peut-être extrême, c'est peut-être un peu exagéré, mais de la même manière, par exemple, ce premier Yann, qui est donc celui qui va devenir son mari, la première fois qu'elle le voit, ils habitent un petit peu à l'orée des bois, pas loin de Paris, mais c'est quand même dans la campagne et tout ça. La première relation qu'ils ont, c'est qu'elle se laisse prendre debout contre un mur. Mais elle se dit, ça, c'est pas grave, ça, c'est pas ça, faire l'amour, d'après ce que je sais. Il faut se coucher dans un lit. Alors, tant que je me couche pas, je fais pas l'amour, vraiment. Mais donc, comment voulez-vous qu'elle sache? C'est pas une chose qui vous arrive comme ça. Non, alors elle essaye de comprendre ce qui lui arrive. Et voilà. Mais en même temps, l'histoire m'intéresse. Je suis cette fille, je suis comment je vais la faire parler, comment je vais essayer de transmettre ce que j'imagine qu'elle apprend et qu'elle ressent. Comment? Mais c'est à travers la langue que ça devient intéressant. C'est intéressant. N'importe quelle histoire aujourd'hui, si elle est mal racontée, ça vaut rien, même si elle est géniale. Et si elle est bien racontée, une petite histoire banale, c'est relise Raymond Carver. Vous verrez qu'avec rien, ou Brotigal, je disais à mon Brotigal, c'est un type qui arrive à faire tenir une tragédie grecque dans un dé à coudre. C'est la manière, c'est le regard qui est intéressant, c'est le point de vue. Où est-ce que vous vous placez pour filmer une scène si vous étiez un metteur en scène, par exemple? C'est ça qui est intéressant. La scène, elle est pour tout le monde. Tout le monde voit ce qui se passe dans une certaine situation. Mais ça devient intéressant quand vous faites un pas de côté, vous regardez la scène différemment. Comment vous prenez comment vous les regardez, vos personnages comme Ford, comme Hawks, comme ces gens-là? Il y a une manière de les regarder. Mais les histoires en elles-mêmes, elles sont là. C'est rien du tout, les histoires. Alors c'est intéressant que vous disiez, cette fille-là, c'est moi. Parce que finalement, elle ne sait pas comment sortir de l'enfance, Myriam. Elle a pas le mode d'emploi pour sortir de l'enfance. Mais je ne sais même pas si elle se rend compte qu'elle est dans l'enfance. J'ai l'impression qu'elle est aussi mûre quand elle est mûre comme on peut l'être dans un corps et dans un esprit d'un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas un bébé, c'est pas une gamine. Elle regarde les choses, mais elle ne peut pas les exprimer, et elle est devant un monde qu'elle ne comprend pas, qu'on ne lui explique pas. Elle se rend simplement compte que tout ce qu'elle pense savoir, parce qu'évidemment, il y a la télé, elle n'est pas complètement perdue, donc ce qu'elle pense savoir, ça ne fonctionne pas avec ce qu'elle vit. Donc elle est intelligente. Il y a des gens qui... Je me rappelle, il y a une étudiante à un moment qui me disait, ah, j'ai vraiment aimé votre livre, mais au début, quand même... J'avais envie de la secouer. J'ai dit, bah, surtout ne la secouez pas. Laissez-la tranquille. Les gens n'ont pas besoin d'être secoués. Les gens, ils ont besoin d'apprendre et de grandir sans que ça soit le monde extérieur qui donne toutes les réponses. On doit l'apprendre, ce monde. Évidemment, quand je prends un personnage et que je mets dans cette situation-là, ça m'aide. Mais oui, c'est une espèce de... C'est une espèce de comédie de la vie, une comédie mais en même temps grinçante, mais il y a de la... Enfin, j'espère et je pense qu'il y a en même temps de la beauté. Elle va comprendre à un moment, il va se passer quelque chose avec sa fille, il va se passer quelque chose avec son frère aussi à un moment. Elle va avoir des choses comme ça, mais c'est jamais...
La vie, j'ai l'impression que c'est souvent des choses qui se font par petits bouts, comme ça. On n'est jamais quelqu'un de génial 24 heures sur 24. On n'est jamais un démon 24 heures sur 24. Mais on a des moments comme ça. Et à un moment, le monde va se présenter à vous, et selon que vous soyez à ce moment-là un ange ou un démon, vous allez le comprendre différemment. Et la seule chose d'amusante là-dedans pour un écrivain, c'est de le rendre ça. C'est de rendre cette chose-là et de s'apercevoir qu'il n'y a pas d'autre travail intéressant pour un écrivain que de travailler la langue. Le reste, si vous êtes un philosophe, si vous êtes un historien, vous rentrez dans la catégorie philosophe, historien, psychologue, tout ce que vous voulez. Mais un écrivain, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui travaille une espèce de matière, quelque part. Vous dites volontiers qu'un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui regarde le monde d'une manière différente, de manière particulière. Et j'ai envie de faire le parallèle avec Myriam. Moi, j'ai l'impression que Myriam, elle ne regarde pas le monde comme tout le monde, et que quelque part, sa vie, elle l'écrit. Elle ne regarde pas le monde comme tout le monde. Ben oui. Ben oui, ben c'est arrivé. Et que sa vie, elle l'écrit au fur et à mesure. Mais ça veut dire qu'elle a une espèce d'intelligence brute. Et donc, elle a simplement compris que cette intelligence lui permettait peut-être de regarder le monde sans a priori. Et c'est ça qui peut-être à un moment est intéressant, ou au moins qui va vous apprendre quelque chose qui ne sera pas pré-mâché ou qui ne sera pas... Il n'y a pas de code. Enfin, si, il y a des codes, mais c'est comme Picasso qui disait une fois que vous savez dessiner, vous cassez le crayon et vous passez à autre chose. Mais c'est pareil, une fois que vous avez vu que les codes n'étaient pas forcément les choses qu'il fallait tout le temps suivre, et vous essayez de vous les fixer. Elle fait par exemple un truc un peu bizarre, son frère se moque d'elle, parce que quand elle était enfant, son père l'emmenait pour donner à manger à la soupe populaire. Et il se moque d'elle comme des tas de gens, disent « Ouais, mais ça, c'est rien n'importe, c'est Kato, c'est bidule, t'en a. » Elle se dit « Non, c'est bien d'aller donner à manger aux gens qui ont faim. Et on peut classer ça comme on veut quand on est un peu des gens qui sont habitués à mettre les choses dans des boîtes comme ça. Mais sinon, bien sûr que c'est bien. Pourquoi pas ? Ça ne veut pas dire que vous êtes de droite, de gauche, de nanana. Non, c'est voilà, sans code, vous allez donner à manger. Et en même temps, vous allez vous droguer. Et en même temps, vous allez, faire des choses qui ne sont pas normales. Vous allez avoir des amants. Vous allez faire plein de choses qu'il ne faut pas faire, normalement. Mais qu'est-ce que c'est, prendre un amant, prendre un peu, je sais pas. Alors, pour elle, c'est... Voilà, de nouveau, il n'y a pas de code, pas de repère. Elle a des amants, effectivement. Oui, il n'y a pas de code, pas de repère, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas de code ni de repère. Non, non, non. C'est quelqu'un qui veut comprendre. Au contraire, elle cherche. Qui veut se donner, voilà. Elle recherche ce qu'est l'orgasme, par exemple. Hein. Elle essaye de... Ah non, parce qu'au début, c'est un mot pour elle, l'orgasme. C'est quoi ? Ouais. C'est un truc, c'est n'importe quoi. Une sorte de Graal. C'est un mot. Et puis un jour, ça va lui tomber dessus, comme ça. Et ça va lui tomber dessus, pas avec les amants qu'elle prend, avec qui c'est plutôt agréable, en même temps, on va dire le contraire. Mais à un moment, pof, avec son mari, il va y avoir un truc. C'est bien pour elle, j'imagine, je ne suis pas une femme. Mais écrire la sexualité, en l'occurrence la sexualité féminine, pour l'auteur que vous êtes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir d'autres possibles en termes de vocabulaire, de style, de rythme ? De vocabulaire, moyennement. Hein. Je veux dire, on les connaît, les vocabulaires, pour parler du sexe. Soit vous basculez, enfin, pas vous basculez, mais soit vous choisissez la pornographie, soit vous choisissez l'érotisme, qui est hyper emmerdant quand il se parle d'érotisme. Je préfère qu'on ne m'en parle pas. Moi, je veux dire, l'érotisme qui consiste, par exemple, à ne pas dire les choses, mais à prendre un chemin détourné pour dire les mêmes, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je veux dire, l'érotisme au cinéma, c'est quoi ? C'est la musique qui arrive au bon moment, c'est la main qui se serre sur les oreillers. Dans les vieux films, c'est le train qui rentre dans le tunnel ? Oui, chez Hitchcock, c'est ça. Hein, c'était bien, peut-être, à l'époque, parce qu'il y avait justement des codes qui étaient tellement durs qu'il fallait... Mais aujourd'hui, il n'y a plus, ça. Donc qu'est-ce que c'est l'érotisme ? Soit vous en parlez, soit vous n'en parlez pas. Mais en même temps, ne pas parler de quelque chose qui nous occupe un bon moment dans notre vie, j'ai du mal, moi. Il y aurait des manques, il y aurait quelque chose qui manque. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Je sais pas. Quand ça doit se faire, ça se fait. Alors, moi, j'aimerais essayer de comprendre le rapport que vous établissez entre le regard de l'écrivain, parce que vous avez dit très clairement, c'est le regard qui m'a fabriqué, pas le talent. Et puis cette recherche sur la langue, comment vous établissez le lien entre le regard et comment est-ce qu'on le transforme en une langue, et on parlera de la langue de ce roman après, en une langue qui cherche à, de plus en plus chez vous, hein, à éliminer le superflu, l'inutile, les descriptions, etc. Je fais ça en tant qu'écrivain, mais je pense que dans la vie, si on ne passe pas son temps à essayer d'éliminer le superflu, on se perd et on perd du temps en même temps, ça sert à rien. Je veux dire, je,
me suis simplement... Mais il y a des trucs tout bêtes, par exemple. Il y a des trucs du genre... où est-il, si vous mettez un point d'interrogation, votre voix intérieure, parce que quand on lit, on a une voix comme ça, où est-il, la voix, elle monte. Parce que le point d'interrogation est là pour la tirer vers le haut et que la voix monte comme ça. Il y a des fois des « où est-il » qui ne sont pas des interrogations qui demandent des réponses. Alors, quand j'étais plus jeune et que j'étais un peu idiot, je mettais un point d'interrogation et un point d'exclamation. Et je me suis aperçu qu'en fait, ça m'ennuyait, que je trouvais même visuellement que ce n'était pas très beau. Je me suis dit, tiens, si je mets un point, comment je lis ça maintenant? Comment, si j'essaye d'être à la place du lecteur, comment je dis? Et ça devient juste « où est-il ?» À vous, lecteur, parce qu'il y a quand même quelque chose à un moment... J'écris pas pour des lecteurs, donc j'espère que le lecteur, lui, va faire un petit peu un pas vers moi, qu'il va quand même essayer de faire quelque chose et qu'il va se mettre dans cette mélodie que j'essaie de mettre en place. Parce que le fait d'enlever des points d'exclamation, d'enlever des guillemets trop présents, de mettre chapitre premier, toutes ces petites choses qui me gênent, moi, dans ma lecture, j'espère que le lecteur va ressentir, parce que c'est ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que je l'ai fait, que la mélodie de la phrase et du texte change. Et que cette mélodie, elle est plus proche de ce que je vois, de ce que j'entends aujourd'hui, que quand je me balade avec des points d'exclamation, avec de l'italique, avec des guillemets. Avec des... Ça me sert plus à rien. Ça. Il y a un truc qui me semblait assez juste. C'est par exemple une critique de Libération qui disait que j'étais pas quelqu'un qui faisait de l'écriture expérimentale, et bien évident, mais que j'étais plutôt quelqu'un comme un coureur qui se débarrasse un peu de ce qu'il gêne pour courir plus vite. Et ça fait que, bah oui, les ellipses, les machins, les trucs, c'est pas parce que j'ai mis au point une manière de... Il n'y a pas une rapidité dans mon écriture. Il y a simplement des choses que j'ai enlevées qui font qu'on a l'impression... C'est un petit peu comme... vous savez, je vais dire que pas aujourd'hui, mais avant les téléfilms en France, par exemple, quand il y avait une histoire, il fallait que, quand il y avait une scène qui se terminait, il fallait voir le type qui descendait l'escalier, qui passait la porte, qui ouvrait le truc de sa quatrelle, qui faisait un truc, qui remontait. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Mais ça ne m'intéresse pas non plus quand je sais que c'est des choses que tout le monde connaît. Par exemple, quand cette femme, à un moment, a des problèmes vraiment importants avec la drogue, son mari la prend, il la dépose devant la clinique, il lui dit au revoir, je repasserai après. Donc j'ai pas envie de raconter ce que c'est qu'une cure de désintoxication, que j'ai mal au ventre, que nanana, ça m'agace, je me dis je pourrais rien faire de bien là-dedans, donc je vais sauter ce truc-là. Simplement, je vais me débrouiller pour qu'après on comprenne ce qu'elle en a tiré, ce qu'elle a compris, tout ça. Et ça donne une espèce d'illusion de rapidité. C'est-à-dire que les scènes ne sont pas écrites plus rapidement, c'est simplement que j'ai enlevé des choses qui me semblent superflues. Mais c'est parce que j'écris d'abord pour moi et qu'en tant que lecteur, j'ai besoin de cette légèreté un peu que j'ai l'impression de me donner quand j'écris de cette manière. Et Céline disait, mes contemporains, leur problème, c'est qu'ils sont lourds. Donc j'essaye de ne pas être lourd. C'est tout. C'est pas que je vais plus vite. Ouais. Je reviens une seconde sur les points d'interrogation et les points d'exclamation. Donc pas de point d'interrogation, pas de point d'exclamation, à une exception près. Oh. Non, le titre. Ah, d'accord. Il y a un point d'exclamation. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, le titre. Oui, non, mais c'est, alors justement, ça a été difficile avec l'éditeur. Il a fallu négocier. Non, c'est quand même le seul. Hein. Mais non, mais je trouve que c'est une faiblesse si à un moment, vous êtes obligé de mettre un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Ça veut dire que la phrase n'est pas suffisamment chargée, en bien ou en mal, en interrogation, en exclamation. Si elle n'est pas assez bien écrite, si vous n'avez pas trouvé le rythme de cette réponse, si vous n'avez pas mis le personnage en situation qu'il ne peut pas dire autrement ce truc-là, ou alors que lui-même ne sait pas très bien s'il a envie d'interroger ou s'il attend une réponse, c'est que vous n'avez pas fait votre travail d'écrivain. Vous n'avez pas saisi cet instant, vous n'avez pas saisi cette mélodie à un moment. C'est donc une faiblesse. Dispersez-vous, ralliez-vous, sans point d'interrogation, d'exclamation, c'est mieux. Bah, c'est Rimbaud qui a écrit ça. Vous n'allez pas me demander devant tout le monde de dire que Rimbaud s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Non, je dis pas qu'il s'est trompé. Est-ce que c'est mieux sans? Moi, je n'en aurais pas mis. Voilà. Mais lui, il a eu raison d'en mettre à l'époque. C'est un poème, donc avec il y a une histoire devant, une histoire après. C'est une injonction, quand même, quelque part. Mais moi, j'essaie de me mettre en
position de ne pas avoir une injonction qui n'en serait pas une si je n'avais pas mis le point d'exclamation. Je me débrouillerais autrement. Je reviens maintenant à ce que vous disiez, oui, par rapport à ce que vous n'avez plus envie d'expliquer entre deux scènes, etc. C'est vrai que ce roman est très elliptique. C'est pas que j'ai plus envie. Ça vous intéresse plus. Voilà, c'est ça. C'est pas que j'ai plus envie, c'est pas dire oh là là, ça m'intéresse plus. Non, c'est que je trouve tout le monde est au courant. Attendez, on est envahi d'images, d'histoires. On n'arrête pas. Est-ce qu'on a besoin encore de raconter ce que c'est qu'une cure de désintoxication? Qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous donner un médicament. On va vous demander d'être tranquille. Vous allez être sur une chaise longue comme ça. Là. Ça, voilà, à un moment, soit vous en sortez, soit vous n'en sortez pas. Ça, c'est intéressant. Et ce que vous avez à en dire, vous n'avez pas besoin de faire toutes des scènes où vous racontez, aïe, 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 j'ai mal, voilà. Non. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir cette cure de désintoxication? Et dans la vie qui se poursuit après, vous allez trouver qu'il y a des choses qui ont été glanées et ça, si vous faites un peu attention, vous allez vous en servir au moment de l'histoire où ça a un intérêt particulier. Pas simplement celui de souligner ce que c'est que de faire une cure de désintoxication. Là, par exemple, quand je disais au début, tant qu'elle fait l'amour debout avec ce type, ça va, et elle ne veut surtout pas se coucher, je ne vais pas en faire des kilos là-dessus. Je vais dire, ok, je ne dis pas que si ça lui plaît ou si ça lui plaît, mais c'est après qu'on va comprendre, après ça, parce que ce qui est intéressant, c'est après, c'est pas ce qu'ils font. Donc les ellipses, elles peuvent être d'une heure, deux heures, un mois, un an, tout ça. Si vous trouvez le moyen d'aller après et de voir, c'est toujours plutôt les résultats d'une situation qui sont intéressantes que la situation en elle-même, parce qu'on est tellement, encore une fois, envahi d'images que les situations, on les connaît, ces situations-là. Faire un braquage dans une banque, à moins d'être un auteur de polar et vous avez besoin de chronométrer, de faire des trucs, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes après avec le paquet d'argent dans la main. Qu'est-ce que vous en faites? À quoi ça vous a servi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais le braquage en lui-même, c'est ce que j'essaie d'enlever, le braquage. Alors, vous parlez d'ellipse, c'est un roman indiscutablement elliptique, mais j'ai l'impression que les ellipses sont de taille différente et de nature différente. Intuitivement, je dirais qu'il y a des ellipses qui sortent de ce roman pour s'inscrire dans la continuité de ce que vous écrivez depuis une dizaine d'années. Enfin, pour moi, c'est une espèce d'évidence, quelque part. Je change de... Je sais pas comment dire. C'est la même histoire que j'écris depuis le début. L'évolution dont je parle, elle démarre au début quand j'écrivais mes premiers trucs qui n'étaient pas bons. Aujourd'hui, c'est peut-être pas meilleur, mais ils sont différents. Ils sont plus... mon roman, ce dernier roman, par exemple, c'est la somme de tout ce que j'ai écrit, avec tout ce que j'ai pu avoir. Mais pardonnez-moi, pour vous, ça paraît évident, mais si je regarde les deux romans qui sont entre O et celui-là, Chérie, Chérie et Love Song, c'est pas évident de comprendre les ellipses, même si on est un assez bon lecteur. Je sais pas quoi vous répondre. C'est pas évident de comprendre les ellipses. Il y a rien à comprendre. Est-ce que l'histoire d'un seul coup devient incompréhensible parce que les ellipses ne sont pas d'une certaine manière re-remplies a posteriori? S'il y a ça, c'est que je me suis trompé. A priori, non, vous devez comprendre ce qui s'est passé dans les ellipses. Mais c'est ça, l'art de l'ellipse. C'est pas simplement de prendre un ciseau et de couper un truc et de dire, vous voyez, j'ai fait une ellipse. C'est comment vous allez re-remplir ce que vous avez laissé sans que ça soit du remplissage après. C'est d'un seul coup, je ne sais pas, mais j'ai dû lire, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais je sais ou je sens que les ellipses, c'est comme des fossés que vous avez enjambés. Vous avez enjambé quelque chose. Mais si vous devez donner l'impression que vous avez enjambé quelque chose de mystérieux, de profond, d'intéressant, tout ça, si vous n'en avez pas parlé, il faut vous débrouiller pour qu'après, on sache ce que vous avez fait dans cette ellipse. Mais il faut que ça soit en même temps naturel, c'est-à-dire que c'est pas... attendez, je vais oublier, je vais vous dire quand même ce qui s'est passé pendant l'ellipse. Non, c'est les bribes, qu'est-ce que vous en avez tiré, qu'est-ce qui a été intéressant, qu'est-ce qu'il faut sauver de ça, qu'est-ce qu'il faut... Puis je sais pas, parce que là on va rentrer dans la cuisine de l'écrivain quand même, donc c'est pas toujours très roboratif, et des fois c'est un peu plus... Alors revenons au langage qui reste un peu dans la cuisine de l'écrivain quand même, mais ce qui vous intéresse de plus en plus, c'est la présence du langage à travers toutes sortes de formes d'expression. C'est-à-dire que le langage traverse tout. Oui, mais c'est pas le langage qui m'intéresse. C'est que ça, c'est le résultat du travail, le langage. L'idée, c'est il se passe des choses au-dessus de votre tête, par exemple. Des situations, des scènes. Il se passe des choses. Des sentiments, comme ça, qui se baladent.
et vous, écrivain, vous éprouvez quelque chose. Ce truc-là, il faut qu'il passe par vous. C'est comme les gens qui se sont fait prendre le coup de la foudre dans la forêt. Là. Ça, c'est la traversée, les gens. Et donc, cette idée, c'est que quelque chose se sert de vous pour être traduite. Donc, ça va passer par moi et ça va ressortir par un livre. Par l'intéressant là-dedans, c'est le passage. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce n'est pas l'écriture qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai vu, comment je vais le rendre au plus près de ce que j'ai éprouvé, qui est déjà très subjectif déjà. J'ai éprouvé un truc par rapport à une scène, quelque chose. Comment je vais traduire ça? Et il n'y a qu'une seule manière de la traduire, c'est la manière dont je l'écris. Il pourrait y en avoir d'autres. Vous pourriez être musicien, oui, et faire de la musique. Vous pourriez être peintre et ça deviendrait de la peinture. Bien c'est sûr. D'ailleurs autour de ça que vous travaillez, semble-t-il, autour d'un site interactif où vous cherchez un peu à comprendre pourquoi ou comment les choses s'expriment après être passées à travers un artiste. Je ne vois pas trop le rapport avec le site interactif, sinon je vous remercie de parler de ce site, oui, que j'essaye de mettre en place depuis des années. Mais on en sait encore peu de choses de ce site, mais si j'ai bien compris, ce qui vous intéresse, c'est, pour réutiliser le mot langage, c'est finalement quel langage on utilise pour traduire un certain nombre d'émotions. Bien sûr, si vous êtes mais je pense que c'est le même travail pour un musicien, pour un peintre, un photographe, un metteur en scène, tout ça. Vous voyez que c'était pas si exactement c'est le même travail. Mais sauf que moi, je sais pas, il y a des gens qui me disent, ah, vous voulez pas tourner un film, vous avez un nom, tourner un film. Je dis, vous me regardez, vous rigolez, j'ai l'air d'un metteur en scène, j'ai l'air d'un peintre. Non, on peut pas tout faire. Moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé qui était le plus près pour, à un moment, consacrer sa vie à un truc un peu idiot, de savoir, voilà, qu'est-ce que c'est que cette... J'imagine souvent le monde comme une espèce de ligne mélodique. Ça a une ligne mélodique, ce que je vis aujourd'hui. Et qui n'était pas la même que celle de Rimbaud, qui n'était pas la même que celle de gens que j'ai aimés. Je ne suis que la somme de ce que je vis et de ce que je vois, de ce que j'entends aujourd'hui. Donc j'essaie de comprendre pourquoi tel genre de musique, pourquoi tel genre d'image, pourquoi, parce qu'elle me parle, parce qu'à un moment, elle rentre à l'intérieur de moi. Je sais pas si je les rumine, je sais pas ce que je fais. Il y en a qui me touchent et d'autres pas du tout. Donc c'est pour ça que, par exemple, les problèmes que j'ai eu quand j'ai commencé à écrire avec des gens qui étaient des défenseurs de la belle littérature, les Rinaldi, les Lambron, tous ces gens-là qui m'intéressent plus du tout, c'était des gens qui étaient des défenseurs de la belle langue. Et je suis aussi... je suis pas plus idiot que certains, même si je suis un peu plus idiot que ces gens-là, mais pas un petit peu quand même. C'est une littérature de confort pour moi aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, un artiste, ça doit être quelqu'un qui doit faire une littérature ou une musique de combat. Alors évidemment que le soir, je peux m'installer dans un fauteuil devant un feu de bois avec mon chien. J'ai pas de chien, mais je pourrais avoir un chien couché à mes pieds et lire Proust. Et je lis de temps en temps Proust. Mais j'ai un travail à faire. J'ai un travail à faire pour les gens avec lesquels je vis. Je trouve que les écrivains, mais aussi les autres artistes, mais les écrivains, j'en parle parce que c'est, je suis a priori un écrivain, c'est est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que ça est utile de s'asseoir tous les matins devant son bureau pour écrire ce qu'on a ressenti? Ça paraît absurde comme ça. Mais si vous donnez les moyens... je disais à un moment, enfin je dis toujours d'ailleurs, que c'est par exemple Raymond Carver qui m'a appris à traverser la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment... ces gens-là ont pris mon regard et l'ont tout doucement transformé. Donc je vois les choses différemment. Je vois les choses comme à un moment, des gens ont allumé, vous savez, c'est quand vous rentrez dans une maison éteinte, vous allez vers le compteur et vous rallumez la douche, le lave-vaisselle, le machin, le truc. Et ces gens-là ont appuyé sur certaines touches et m'ont permis, c'est ce lieu dans lequel j'habite et dans lequel je vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le lave-vaisselle qui marche, il y a ça, pas tout, il y a certaines choses qui marchent. Et ça, cet appartement, ce lieu... il est unique. On ne peut pas retrouver, ou peut-être mais très rarement, la même configuration. Pour filer la métaphore, est-ce qu'il faut changer de temps en temps le lave-vaisselle? Est-ce qu'il faut changer de temps en temps le lave-vaisselle? Si on prend Gaguenau, ça va, ça dure 25 ans, ils sont garantis. D'accord. Pendant longtemps. Mais si vous prenez une merde... non, ça, bah oui, bah c'est ça aussi. Non, mais vous avez raison de parler de ça. Soit vous prenez un truc hyper confortable et à un moment, vous allez vous... trimballer le Gaguenau pendant 30 ans, c'est peut-être pas drôle. Des fois, il vaut peut-être prendre un truc un peu moins intéressant, mais qui a des nouvelles fonctions, qui a des nouveaux trucs. Enfin, là, on est en train de filer une métaphore complètement dingue.
Mais quelque part, c'est ça, on habite tous les lieux qu'on se construit autour. Le seul problème, c'est que plus on vieillit, plus le lieu qu'on construit devient solide, peut-être plus beau, peut-être j'en sais rien, mais plus il vous enferme dans quelque chose. Donc l'idée, c'est d'avoir envie de le faire au mieux, d'avoir envie d'avoir des gens qui viennent vous voir dans ce lieu que vous avez fait pour vous, si vous avez fait un truc complètement moche ou je sais pas, désagréable ou plein de ces codes qui vous ont fait qu'il faut avoir un plafond à 2m40, qu'il faut avoir des murs blancs, qu'il faut avoir, c'est ça tout ça. Donc, créer un endroit où vous avez envie que les gens, que d'autres, pas les gens mais d'autres viennent et s'y sentent un peu bien. Et ça sera une manière de voir le monde et d'envisager. C'est pour ça que j'ai essayé d'écriture de combat. Il faut que. On est tous là pour construire le monde dans lequel on est en train de vivre. Si on ne fait rien, si on est tout le temps en train de prendre ce qui s'est passé avant. J'aurais bien voulu connaître, par exemple, Proust, voir qu'est-ce qu'il tenait. Est-ce qu'il se sentait moderne ou est-ce qu'il se sentait. Je ne sais pas, j'aurais bien voulu savoir ça. Ça se trouve, il était hyper moderne dans sa manière de travailler. Et aujourd'hui, c'est un très grand classique, on n'ose plus y toucher. Peut-être que dans 20 ans, on n'osera plus toucher mes livres. Allez savoir. On parlait de code. Si, je plaisante. On parlait de code. S'il y a une chose qui est extrêmement codifiée, c'est une chanson. Quand vous écrivez les textes des chansons de Stéphane Eicher, vous avez l'impression de faire votre métier d'écrivain ou c'est autre chose? Je fais mon métier d'ami d'abord, parce qu'on ne peut pas écrire pour des gens pour lesquels on n'éprouve pas. Moi, j'ai toujours eu du mal, même avec les metteurs en scène, avec les films, tout ça. Il y a toujours eu, à part le premier et le deuxième, pas terrible, mais après, ça s'est arrangé. Donc, avoir envie de travailler avec quelqu'un, avoir envie, à un moment, de plus être celui qui fait tout. Quand j'écris un livre, je suis un peu celui qui fait tout. Là, par exemple, l'expérience avec Verhoeven, c'est que, oui, j'ai l'impression, à un moment, d'avoir tout fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Verhoeven est le réalisateur de l'adaptation de O, qui est devenue Elle, avec Isabelle Huppert. Et là, je m'aperçois que d'un seul coup, quelqu'un arrive avec aussi une autre manière de s'exprimer. Et il arrive à, je ne sais pas si c'est transcendé, mais il a une manière de redonner vie à un monde que j'ai déjà traduit d'une autre manière. Et je m'aperçois que c'est, mais ces choses-là ne se font qu'avec des gens avec lesquels vous avez envie d'échanger. Sinon, c'est... je fais des scénarios, par exemple, pour des gens, pour Mathieu Amalric, je fais un truc parce qu'il y a... quelque chose s'est développé après le film, une espèce d'amitié, donc tanana, et est-ce que tu veux qu'on travaille? Et oui, d'un seul coup, il y a quelque chose peut naître de ça. C'est pas simplement balancer une histoire et dire chacun fait ce qu'il veut avec. C'est, oui, chacun peut faire ce qu'il veut avec, mais c'est pas la même manière d'écrire quelque chose pour quelqu'un. Alors, on reviendra à ça tout à l'heure. C'est pour ça que je disais pour Stéphane, c'est ça aussi. Ouais. Et vous disiez une autre manière de traduire en parlant de Verhoeven. Vous-même, vous avez traduit... Pinter, Martin Krimp, quel rapport à la langue vous avez quand vous traduisez? Ben, c'est intéressant, hein, on parle de langue comme matière brute finalement, mais là il s'agit de la langue, du passage d'une langue à l'autre. Ouais, c'est un truc assez agréable en même temps, parce que imaginez que vous êtes en train de traduire Pinter par exemple. J'ai l'impression que la beauté de la langue se suffit elle-même. Et dans la traduction, j'évacue tout ce qui peut être de l'ordre. Je suis en train de raconter un truc, donc il faut qu'en même temps, je pense à ce qui va se passer après ou quoi. Là, c'est simplement se retrouver devant une phrase et de dire comment... Alors, ça participe aussi de l'intérêt. L'intérêt, c'est un mot un peu faible, que vous avez pour l'auteur. C'est-à-dire que vous allez mettre, a priori, toutes vos forces dans la bataille. C'est-à-dire que si Pinter me transporte quand je le lis, il faut quand même qu'à un moment, si je ne suis pas capable de transmettre à d'autres qui n'ont pas les moyens intellectuels ou qui n'ont pas appris l'anglais, par exemple, comment je ne suis pas là pour rien, je suis simplement là pour essayer de mettre Pinter dans leur monde, de mettre Pinter dans leur regard pour qu'ils traversent les rues différemment. Je sais pas. Tout ça participe aussi d'une manière de penser qu'on vit dans un monde et qu'une société, elle se fait avec... avec les gens qui vivent ensemble, qui apprennent à vivre ensemble. Donc voilà, moi je sais par exemple un peu traduire d'anglais, ben voilà, si je peux essayer de faire éprouver les choses. Faire éprouver les choses, ça veut dire qu'à un moment on va partager un regard. Et partager un regard avec des gens, ça veut dire qu'à un moment on peut faire quelque chose avec eux. Et que Il faut qu'on dise un mot de la manière dont vous avez travaillé les dialogues dans ce roman, parce que vous avez un art du dialogue qui est très très particulier.
c'est des dialogues qu'on lit nulle part ailleurs en langue française contemporaine. Est-ce que d'après vous, c'est cette faculté que vous avez à dialoguer de manière très particulière qui fait que vous êtes beaucoup adapté au cinéma, par exemple ? Je ne sais pas si c'est la raison des adaptations. Ce que je sais, c'est que souvent, les dialogues que je lis, j'ai l'impression que je ne les entends pas. Je me dis, mais ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est un écrivain qui est en train d'écrire un dialogue. Et j'essaye, quand j'écris un dialogue, de simplement me concentrer sur ce que j'entends. C'est-à-dire que quand vous avez des dialogues, par exemple, où la personne qui écrit ne met un dialogue en place que pour faire comprendre quelque chose de très particulier sur la situation, tout ça, des fois, vous pouvez vivre des situations extrêmes et le dialogue ne va rien vous apprendre, sinon que l'intonation, que le ton, que la répétition, que l'hésitation va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé. À vous après d'expliquer ou de faire ce que vous voulez, mais ne vous servez pas du dialogue simplement pour expliquer quelque chose. Ça, c'est un travail de scénariste. C'est le scénariste lambda, c'est ce qu'il fait. Il fait parler un personnage pour que celui qui est en train d'écouter comprenne le truc. Or, dans un dialogue, souvent, ce qui est intéressant, c'est la personne qui parle peut mentir, peut ne rien comprendre à ce qui lui est arrivé, peut cacher quelque chose, tout est possible. Et c'est ça qui est intéressant dans le dialogue. C'est pas ce qu'elle raconte, parce que vous devez être conscient que la personne ne dit pas forcément la vérité, qu'elle fait plein de tout sauf dire la vérité. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui en ressort de ça. C'est ça qui est intéressant. Donc ça vous permet de vous concentrer simplement qu'est-ce que vous entendez quand deux personnes se parlent. Qu'est-ce qu'elles disent qu'elles n'osent pas dire ou qu'est-ce qu'elles ne disent pas qu'elles... Voilà, c'est intéressant. Mais pas les informations qu'ils donnent. Parce que si ça devient que des informations, c'est plus du dialogue. À ce moment-là, on fait autre chose, on fait du style indirect, on fait des choses comme ça. Mais le dialogue, si vous mettez un dialogue en place, il faut que ça sonne comme un dialogue. Et du coup, je suis étonné que vous n'ayez pas plus écrit directement pour le cinéma. Il y a eu en 2003-2004 un scénario écrit pour Luc Bondy. Il y a aujourd'hui ce projet avec Mathieu Amalric, avec un scénario original écrit pour lui également. Pourquoi si peu ? C'est très peu, deux. J'en ai une encore. Pour un écrivain, il n'y a rien de plus frustrant que d'écrire un scénario. Si vous avez envie de dire un moment qu'il y a du pollen comme ça dans la lumière, du soleil ou je sais pas quoi, on va vous dire mais on s'en fout, c'est un scénario, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a du pollen dans l'air. Avec... Donc j'ai fait le truc par exemple pour Luc Bondy parce que c'est devenu vraiment un ami et qu'on passait du temps à se perdre dans la campagne au large de Biarritz et tout ça. Et le truc d'Amalric, je lui ai dit je t'écris pas un scénario. Mais un scénario pour un écrivain, vous écrivez un scénario, si le film ne se fait pas, vous pouvez prendre votre scénario et directement à la poubelle, il n'existe pas. Si vous écrivez un bouquin, vous avez une chance qu'au moins le bouquin il reste. C'est le côté pragmatique, ça. Pardon ? C'est le côté pragmatique. Bah, faut être pragmatique, on vit dans un monde où il faut gagner sa vie, où il faut au moins, je ne sais pas, moi je ne supporterais pas que, par exemple, les traductions que j'ai faites de Pinter et tout ça, j'ai dit je ne veux pas savoir combien vous allez me payer. Antoine Gallimard, qui est connu pour un éditeur hyper généreux, qui vous comble de chèques et d'argent, j'ai dit je ne veux pas savoir ce que tu me donnes. Ce que je veux, c'est que tu le publies. Parce que c'est un travail que j'ai fait, je l'ai mis tout mon cœur et toutes mes forces dedans, ce n'est pas pour que ça passe à la poubelle. Donc si tu le publies, on parle d'argent après, mais pas avant de le faire. Et en même temps, c'est pas intéressant pour un écrivain. Tout ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure sur la langue, ça n'a aucun intérêt pour le scénario, aucun. Il reste les dialogues, mais si c'est des dialogues qui disent rien vraiment, c'est pas non plus. Donc vous pouvez travailler qu'avec des gens qui vous comprennent et avec lesquels vous avez envie de travailler. Et Mathieu Amalric, je lui ai dit, je te fais pas un scénario, mais je t'écris une grosse nouvelle très avancée, comme la version 1 d'un scénario. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dialogues et beaucoup de choses comme ça. Il y a une question que je ne peux pas éviter. On a parlé de Pinter, on a parlé de scénario, on a parlé de dialogue. Vous n'avez jamais été tenté d'écrire pour le théâtre ? C'est très compliqué, ça, parce que j'ai écrit une pièce de théâtre qui n'a pas marché du tout. Personne n'est au courant. Donc, ça n'a pas été une expérience. Si, c'est très, très agréable à faire. Mais je suis plutôt un écrivain assez basique. C'est-à-dire que ce que j'écris, c'est fait pour être lu, pas fait pour être dit.
si dans un dialogue je mets « dit-il » à un moment, souvent c'est pour trouver le rythme qui m'intéresse dans la réponse ou dans le dialogue qui se met en place. Si vous enlevez le « dit-il », vous faites boiter quelque chose. Et si une phrase se met à boiter, tout ce qu'elle exprime et tout ça, ça ne fonctionne plus. Donc si je mets « dit-il », c'est parce que je suis un écrivain qui écrit pour être lu et pas pour être dit. Donc les dialogues pour le théâtre comme pour le cinéma, c'est des trucs très très particuliers. Et ce n'est pas ce qui m'amuse le plus. Ça fait déjà presque une heure qu'on parle, donc je vais devoir donner la parole à la salle, fort heureusement. J'aimerais terminer avec ceci. Il reste assis devant sa toile, les doigts croisés, il dit que c'est difficile. Il dit que peindre est presque impossible, que la peinture, c'est l'homme devant sa débâcle. C'est un extrait du livre que vous avez consacré à Bram Van Veen. On peut dire la même chose de la littérature, j'imagine. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la littérature, c'est l'homme devant sa débâcle ? Que la littérature, c'est ? C'est l'homme devant sa débâcle. C'est l'homme devant sa manière de combattre et de reculer au maximum sa débâcle qui est forcément quelque chose qui est écrit. À la fin de sa vie, Bram Van Veld ne travaillait plus qu'avec trois tubes de peinture, trois tubes de couleurs. J'ai l'impression, Philippe Jean, que c'est un peu votre chemin, que vous cherchez de plus en plus à garder tous les possibles ouverts avec un minimum d'outils. Oui, sauf que ce n'est pas quelque chose qu'on cherche délibérément. Je pense qu'il y a des trajets à parcourir et que vous ne pouvez pas sauter d'un seul coup à autre chose. Donc vous êtes obligé de passer par tous les stades qui font que le dépouillement s'opère d'une manière un peu naturelle. C'est jamais, si c'est trop intentionnel, ça ne fonctionne pas vraiment. Il ne faut pas qu'on sente la réflexion dedans. Ça ne doit pas venir d'une réflexion, ça doit venir d'une manière de s'exprimer et de focaliser son regard. C'est une histoire de focale, ça. C'est qu'à un moment, on peut en avoir assez du grand angle et on va réduire. Parce que les choses vous intéressent moins, c'est aussi parce que ces choses-là, vous les avez dites. Vous en avez déjà parlé, vous avez déjà fait ces choses-là. Donc, mais c'est pas intentionnel, c'est plutôt... oui, peut-être qu'à un moment, on a envie de se débarrasser de ce qui semble vous alourdir. Je veux dire, j'ai plus du tout envie, par exemple, d'avoir chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, et on fait le petit blanc avant de commencer le paragraphe. Faites attention, on est en Suisse, hein, le petit blanc, ça peut être diversement interprété. Oui, tout à fait. La petite chose un peu sans caractère est écrite là. Ça me gêne. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément à chaque fois prendre une respiration avant de commencer un paragraphe? Si vous trouvez que c'est oui, vous gardez ce truc-là. Si vous vous dites non, mais je préfère avoir le blanc à la fin, ça me complique la vie, hein, parce que vous savez que ce qu'il faut évidemment, c'est que la fin de mon paragraphe ne soit pas en bout de ligne, parce que sinon la phrase d'après va être collée. Donc ça suppose que même après, quand il y a le texte qui est mis sous forme de livre, oui. Voilà, ça a encore changé. Donc il faut que je relise pour voir que toutes mes phrases, soit elles s'arrêtent un petit peu avant la fin du paragraphe, pour que ce blanc soit à la fin. Et là, la respiration, je la sens. J'ai envie de passer à autre chose, donc il y a un blanc. Mais mettre le blanc avant, si vous arrivez à m'expliquer que c'est beaucoup plus intéressant, plus confortable, et encore qu'une fois, confortable, c'est pas ce que je cherche. Mais si ça vous rend, si c'est simplement une question de confort, pourquoi Wagner, quand il faisait à Bayreuth, il disait « Je fais des sièges en bois un peu durs pour que les gens... » Vous n'êtes pas là pour être bien assis, vous êtes là pour écouter de la musique. Donc, en littérature, c'est pareil. Attendez la fin du paragraphe pour avoir une toute petite respiration. Vous faites pas au début. Donc tout ça, rajouté, à un moment, ça fait un texte qui a une musicalité différente. Ça va, vous êtes bien assis. Oui, c'est... Bien, c'est le moment de vos questions à Philippe Jean, c'est le moment ou jamais. Donc n'hésitez pas, qui veut poser la première? Merci, la deuxième. Au fond, allez. C'est une question un peu bizarre, parce que je ne sais plus si c'est Truffaut ou Chabrol qui disait que la définition la plus proche du metteur en scène, c'est Dieu. Parce que Dieu est omnipotent, comme le metteur en scène. Il a le droit, il a le pouvoir sur tous ces personnages. Et puis, vous c'est pas une question, ça. Hein, non, c'est un préambule à la question. Vous avez une vision un peu différente parce que vous dites que vous ne connaissez pas vos personnages. Les personnages existent un petit peu en dehors de vous et vous êtes
un peu une sage-femme qui va accoucher ces personnages-là, ou un médium, je ne sais pas. Donc ma question est la suivante. Est-ce que Dieu, s'il existe, est un créateur plutôt façon Chabrol le Truffaut ou un créateur plutôt façon Jean? Est-ce que finalement Dieu est omnipotent en tant que créateur, ou est-ce que c'est un quelqu'un qui fait exister comme vous des personnages qu'il ne connaît pas forcément au départ? Moi, je me vois plutôt comme un médium, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui ils habitent à l'intérieur de moi, et comment ils vont sortir, je les aide, mais j'y peux rien, c'est eux qui doivent faire le plus gros du travail. Donc je suis plutôt quelqu'un qui regarde ce qui se passe. Je mets des personnages dans une situation, c'est un peu comme si je les mettais dans une boîte. Alors je les mets dans la boîte, et tant qu'ils font les idiots à l'intérieur de la boîte, ça me va. C'est juste s'ils essaient de sortir de la boîte, là je me dis attends, il faut que je garde le contrôle là-dessus. Mais à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous parler, de vous déchirer, je vous regarde, j'essaie de comprendre pourquoi d'un seul coup des situations deviennent très tendues ou pas. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'ils font? Je les regarde, c'est moi, je me regarde, je suis en même temps mon... Je pense qu'un auteur doit être son premier lecteur et son pire critique. C'est-à-dire que j'écris pour moi. J'ai vraiment souvent la sensation que l'histoire me parle. Les personnages me parlent à moi. Ils ne me disent pas tout, mais ils me laissent les regarder. Et donc je suis là simplement en train d'essayer de prendre ce qu'ils essayent de ne pas me dire. Donc j'essaye de découvrir l'histoire qui est en dessous, parce que je pense qu'il y a toujours une histoire sous l'histoire. De la même manière, c'est comme les infrasons, si vous voulez. Vous n'entendez pas tous les sons, mais vous savez qu'ils existent. Donc j'essaye de les piquer, cela, de voir un peu. Mais je ne suis pas... Peut-être que Chabrol et tout ça se prenaient pour Dieu. Moi, je ne me prends pas pour Dieu. Je suis simplement... C'est mon métier, en même temps, de raconter des histoires. Ça, c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants, c'est comme ça. Mais c'est trouvé qu'en même temps, dans ce truc-là, ça m'apprenait beaucoup de choses sur moi. Donc je fais en même temps un travail d'apprendre à me connaître. J'apprends, quand je dis par exemple que mon personnage, la jeune fille, essaye de comprendre le monde sans tout le temps se contenter des codes qu'on essaye tous de nous inculquer depuis qu'on va à l'école et tout ça. Bah, j'essaye aussi de me dire qu'est-ce que c'est que ce monde, est-ce que je suis obligé de me débarrasser de plein de choses, et pour ça je suis obligé de regarder, à part me regarder dans un miroir, ce qui n'est pas tellement agréable, j'essaie de regarder les autres et de voir comment ils fonctionnent et tout ça, mais ça ne fait pas de moi un créateur omnipotent. C'est-à-dire que je laisse un peu mes personnages, mais je leur sers à quelque chose, en fait c'est moi qui leur sers à quelque chose, et en retour je me paye sur la bête, comme on dit, c'est-à-dire que ça me permet de travailler le genre de langue qui m'intéresse. Mais je les laisse faire un peu ce qu'ils veulent quand même. Elle sera plus courte. Vous dites souvent que la première phrase dans vos romans est très importante. Vous faites un travail vraiment très important pour... triturer cette première phrase, et c'est elle qui va vous donner le rythme de tout le roman. Pourtant, pour ce roman, Dispersez-vous, ralliez-vous, j'ai eu comme l'impression que le titre était plus important que la première phrase. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Si jamais, c'est pas impossible, si jamais le titre était plus important, enfin juste ce petit truc-là, je ne m'en suis pas rendu compte au début, parce que je ne m'en suis pas vraiment servi. C'est venu là. D'ailleurs, il n'est qu'à la fin du roman, ce truc-là. Donc, c'est vrai que c'est la première phrase qui donne l'impulsion. C'est-à-dire que c'est... par exemple, je mélange un peu le dernier que j'ai écrit avec O, parce qu'on m'en a parlé depuis une semaine de O, on ne parle que de ça, et je racontais que, par exemple, quand j'ai écrit... Le roman commence, cette femme qui s'est fait violer là, elle dit je me suis sans doute éraflé la joue. J'écris ça c'est le seul truc, je peux pas vous dire d'où ça vient, ça c'est un truc qui, c'est pas non plus trop trituré, hein, ça vient, il y a une espèce de phrase qui s'impose comme ça, et là je me lis, je me dis qu'est-ce que j'ai essayé de dire en disant ça, enfin, c'est drôle ça ce truc là
Et je me dis, ah oui, ce qui est drôle, c'est effleuré. Je me dis, parce que je pense qu'un homme ne dirait pas je me suis effleuré la joue. Il dirait je me suis blessé, ou il dirait autre chose, mais je me suis simplement effleuré, je crois que je me suis effleuré la joue, un truc comme ça. Et là, je me dis, mais ça, c'est plutôt une femme qui dirait ça. Et puis voilà, c'est parti. Et elle, pourquoi elle se serait effleuré la joue? Pourquoi elle s'est... Je sais pas, il y a une branche qui l'a fait ça ou... Non, elle est par terre. Et elle dit, il y a des trucs par terre, je ne sais pas, ça continue. Et je me dis, mais elle est par terre, qu'est-ce qu'elle fait par terre? Elle s'est effleuré la joue, c'est une femme, elle est par terre. Elle s'est pris les pieds dans le tapis, qu'est-ce qu'elle a fait? Et j'écoute, il y a une autre phrase qui se met en place. Et voilà, elle s'est fait violer, et puis ça continue comme ça. Et là, je chemine. C'est parce que j'ai souvent l'impression que la première phrase, elle me donne une indication sur le style de l'histoire, mais surtout le style de la langue. Et que c'est le style qui induit le genre d'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas d'un seul coup le style qui va se mettre au service de l'histoire. C'est l'histoire qui se met au service du style parce que c'est lui qui a insufflé la première note. Et après, l'idée, c'est un peu, vous faites un son, c'est comme si vous preniez un diapason, vous faites sonner, vous avez une note qui se déclenche. Je crois qu'un roman, une histoire, une situation, une impression, c'est une note, c'est des notes. Et que le truc, c'est de tenir. Alors, si vous faites un roman à la Tolstoï, il va falloir tenir la note très longtemps. Mais après, c'est vous aussi, vous devez savoir qu'est-ce que vous êtes comme coureur, comme écrivain. Vous êtes un coureur de 100 mètres, hein, 400 mètres, les haies, marathonien. Vous devez découvrir ce truc-là. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes comme écrivain? Et ça, c'est le style qui donne cette indication-là. Et par exemple, la première phrase, il y a des premières phrases qui sont très très fortes dans des livres que j'ai écrits avant, et celle-là paraît très très banale. Mais c'est cette banalité qui me donne l'idée que cette fille, elle est seule, et qu'elle vit dans un monde où il n'y a pas les frères, les sœurs, nanana, nanana. Elle vit dans un endroit où elle est seule. Parce que cette première phrase, elle est sans coloration particulière, et qu'elle n'est pas très longue. La seule chose qu'elle commence à dire, c'est mes plus proches voisins étaient des vieux. Donc c'est court, c'est sans coloration, mais ça amène un espèce de silence, ça amène presque la manière dont elle marche en rentrant de chez elle pour aller à l'école. Alors ça peut paraître dingue comme ça, mais oui, moi ça me donne ce genre d'indication. Vous avez contribué à mon ouverture dans plein de domaines culturels. Et puis, est-ce que j'ose vous demander quelles sont vos références artistiques maintenant, autant au niveau littérature que peinture, tout ça? Ça me donnera des tuyaux. Ouais, il faut lui dire de commencer par lire Ardoise. Ardoise, vous avez déjà toutes les références littéraires, pratiquement. Non, non, il y a un truc très très bizarre là. Je m'en suis aperçu parce que. Je vais commencer à comprendre que je suis en train de mettre en place une espèce de plateforme culturelle et que voilà, c'est un truc immersif, les gens vont rentrer à l'intérieur, se promener dans la forêt de Walden et tout ça, enfin bref. Et j'ai même pensé après qu'il pourrait y avoir comme des écrivains résidents, des choses comme ça, des gens qui auraient leur petite grotte ou leur petit machin, ils pourraient faire ce qu'ils voudraient dedans. Donc je suis allé chercher des écrivains résidents et je suis allé plutôt chercher des gens qui m'intéressent. Et ce qui est très très drôle, c'est que, bah, évidemment, il y a des musiciens, il y a des graphistes, il y a des gens du cinéma. Mais dans la littérature, et ça, je trouve que c'est assez intéressant, sur les 7 ou 8 qui m'ont dit « Oui, oui, bien sûr, je vais être écrivain résident dans ton truc », il y en a 6 qui sont des femmes, hein, sur les 8. Parce que je trouve que c'est aujourd'hui... Alors, j'espère que les hommes ne vont pas trop m'en vouloir, parce qu'un jour, il y en a un qui m'a écrit, je pense que c'était un type d'une drôle de... Enfin, bon, bref... qui me disait « C'est une honte de parler comme ça des hommes, vous n'avez pas honte ?» Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui écrivent le mieux. Avec des voix vraiment fortes, les Christine Angot, les même, c'est pas même, Yasmina Reza, j'aime bien, Virgile Despentes, bien entendu. C'est les gens, c'est chez ces femmes que je trouve aujourd'hui le plus d'innovation, mais surtout de ressenti par rapport au monde aujourd'hui.
c'est celles qu'ils transmettent le mieux. Alors évidemment, il y a Régis Geoffrey, il y a des gens comme Jean-Philippe Toussaint à des niveaux différents, mais ça m'a frappé. Je me suis dit, voilà, quand je cherche les gens qui m'intéressent, mais pas simplement en tant qu'écrivain, mais avec qui j'ai envie de parler, avec qui j'ai envie d'échanger des choses, pas forcément en littérature, c'est les femmes. Alors déjà, quand on trouvait que d'un seul coup, j'étais devenu un écrivain féministe, là, ça va être l'explosion. Ça va être... Mais c'est vrai, je trouve que peut-être c'est leur moment, elles sont... Oui, sans vouloir paraître réducteur, est-ce qu'on peut comprendre ce que vous nous dites de par le raccourci, le style suffit à provoquer l'émotion chez le lecteur? Ah ben, j'en suis absolument persuadé. S'il n'y a pas de style, pour moi, il n'y a pas d'auteur. Mais est-ce qu'il est suffisant? Il reste que des histoires. Alors, si vous êtes quelqu'un qui, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais si vous êtes un lecteur d'histoire, alors déjà Céline vous avait dit, si vous voulez des histoires, vous avez qu'à acheter les journaux parce qu'il y en a tous les jours des histoires. Donc c'est pas a priori les histoires qui m'intéressent. Elles sont souvent édifiantes, elles sont, vous apprenez plein de choses sur le monde, mais il y a des philosophes, il y a des historiens, il y a des gens qui sont là pour ça. Demandez pas à un écrivain d'avoir toutes ses casquettes. Et moi, je veux aussi dire que tous les gens qui ont transformé la vie, c'était des auteurs qui avaient un style, qui avaient une langue. Salinger, je veux dire, c'était... quand j'ai découvert ça, j'avais, je sais pas, 18 ans ou quoi, je suis resté... j'ai dit, voilà quelqu'un qui me parle, voilà quelqu'un qui... comme si sa voix était à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la langue, c'est le style. Raymond Carver, sans le style, c'est quoi? C'est des histoires d'une banalité effrayante. Mais c'est quelqu'un qui a trouvé le bon endroit et où qui se place. Vous vous rendez compte qu'il pourrait rendre les choses sublimes. Alors que vous pouvez avoir des histoires incroyables, si vous les racontez d'une manière plate, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et oui, c'est le style, c'est à la base de tout. Je veux dire. Parce que comment voulez-vous être un écrivain ou un artiste qui a un style, si dans votre vie, votre style n'est pas tout ce qui compte? Votre style, c'est quoi? C'est votre rapport aux autres, c'est la manière dont vous allez les aborder, c'est la manière dont vous allez parler avec eux, c'est la manière dont vous allez les toucher. Donc, si vous n'avez pas de style, vous êtes quoi? Vous êtes... j'ai rien dit, je ne veux pas dire de choses désagréables, mais vous n'êtes certainement pas quelqu'un avec qui j'aurais envie de passer la soirée. Je ne sais pas. Vous êtes sans le style, c'est... qu'est-ce que vous êtes sans le style? Vous n'êtes pas debout, déjà. Est tombée. Elle n'est pas tombée. Ah, pardon. Voilà, c'est pas toujours monsieur, c'est madame, des fois. Oui, merci. Quand vous avez parlé de comment vous écrivez, c'était plutôt dans le style médium. Mais vous avez parlé à deux reprises ou trois de combat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le combat? C'est compliqué. Comment, je ne sais pas comment vous expliquer qu'écrire une phrase, c'est un combat. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais si vous ne l'abordez pas de cette manière, vous ne ferez jamais, à mon avis... vous me faites parler de choses, je n'ai pas envie d'en parler, mais qu'est-ce que vous êtes comme écrivain si chaque phrase n'est pas un combat ? Il y a un truc drôle que je racontais quand j'étais plus jeune, je le raconte encore aujourd'hui parce que comme ça me donne l'impression de ne pas vieillir. C'était que vous avez intérêt à écrire chaque phrase que vous écrivez comme si c'était la dernière, mais d'une manière très bête. C'est-à-dire que si je suis en train d'écrire, par exemple, chez moi, de temps en temps, il y a mes enfants, ma femme qui se promènent. Si un jour j'ai un AVC ou je ne sais pas quoi, que je tombe au milieu d'une phrase, ou avec un peu de chance à la fin d'une phrase, on va se pencher au-dessus de ce que j'ai fait. Attendez, cette dernière phrase n'est pas terrible. Quand même, hein. Alors que si vous avez fait la phrase qui compte, parce que celle-là, c'était un combat que vous avez mené jusqu'au bout et que vous avez été, vous avez mis toutes vos forces dedans, et vraiment, je vous assure que c'est, mais pas parce que c'est moi, mais j'essaie tout le temps de faire ça. Que vraiment, la phrase que j'écris, je dois être fier de chacune de mes phrases. Et donc, si on se penche au-dessus de moi et qu'on dit, oh, la dernière, c'était pas terrible, hein, il nous a quittés, mais c'était pas une grande perte. Et au moins, je crois que ouais,
Ça, c'est un... Mais j'ai pas l'impression d'être très, très original en disant ça. C'est... Quels sont les... c'est pour ça que je ne comprends pas les écrivains, par exemple, qui font d'un seul coup, j'écris à toute allure, puis après je reviens tranquillement et je corrige. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des écrivains que j'adore qui font comme ça, qui aiment bien que travailler la correction, corriger, revenir, revenir. Mais le jour où ils vont mourir, j'espère qu'ils auront corrigé, 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 pour que la dernière phrase soit assez belle. Vous arrêtez un travail où vous êtes en train de donner le meilleur de vous-même, ah, au moins, ça y est, si c'est la fin, bah, voilà, c'est, ça doit arriver au moment où il ne faut pas un moment où « Ah, mais celle-là, j'aurais pas dû l'écrire » ou « Ah, j'avais pas fini ». Et en même temps, quand j'écris, moi, j'ai toujours besoin que chaque phrase, paragraphe, page, mais même chaque phrase que je laisse derrière moi, soit quelque chose de solide. C'est-à-dire que je puisse m'appuyer dessus. Vous savez, quand vous sentez que vous pouvez vous appuyer, c'est une espèce de sécurité que vous vous donnez. C'est un peu comme après, pour vous pencher au-dessus du vide, si quelqu'un vous tient, vous n'avez pas peur de vous pencher. Si personne ne vous tient, vous risquez de plonger. Donc j'ai besoin, moi, que mon travail, une fois qu'il est fait, une fois que la phrase elle a été mise noir sur blanc, que ce soit quelque chose de solide sur lequel je puisse m'appuyer. D'où l'idée, bah, chaque phrase doit être, si ça doit s'arrêter là, ça s'arrêtera là, mais ça ne va pas s'arrêter en bas, il faut que ça s'arrête là-haut. Disperser, mais en même temps, c'est facile, hein, de travailler, c'est plus facile de travailler comme ça que de travailler dans le flou jusqu'à la fin, revenir. C'est facile de faire ce que je fais. Dispersez-vous, ralliez-vous, c'est le titre du dernier roman en date de Philippe Djian chez Gallimard. Alors vous allez vous disperser parce que voilà, il va falloir. Et vous ralliez à la table de dédicaces d'abord, hein, parce que le roman est en vente là-haut et Philippe Djian se fera un plaisir de vous le dédicacer. Il y a un certain nombre d'autres romans de Philippe Djian, notamment O, qui reparaît sous le titre de Elle, puisque le film est sorti. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de remercier pour sa présence, pour sa générosité et pour le don qu'il vient de nous faire. Je vais vous demander de remercier très chaleureusement Philippe Djian. Et donc, dispersez-vous et ralliez-vous à la table de dédicace. Et au bar.